Bonjour, internautatrices et internautateurs. Nous retrouvons le clan du Cygne dans Geldenbourg. Et alors, pendant les deux épisodes, j'ai changé un peu le. Enfin, voilà, j'ai rajouté une zone de culte avec un grand hôtel, puisque ça avait été demandé, hôtel archaïque souhaité. Voilà. Et puis, alors j'ai réfléchi à notre cher personnage Birdie, il va être renommé en Damnamite. Damnamite, c'est une mineuse, donc une mineuse. Je me suis dit que ça utilisait souvent la dynamite. Voilà, Damnamite, dynamite. Bon, le jeu de mots n'est pas génial, mais voilà, ça me convient. Mangador, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas rester par là. Hop, tu vas me terminer ça. Ardarine, j'aimerais que tu ailles. Tu vas boire une bière, ok. Alors, non, tu vas pas aller récolter la cosse. Tu vas aller me construire ça. Parce que j'aimerais quand même que ce soit. Ah, non. Ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ok. J'ai jamais utilisé ça encore. Oh, the getting stuck. Papillote est guéri. Formidable. 20 miner le calcaire, très bonne chose. Ouais, ce serait bien que ça avance là, ces chambres, qu'on puisse en faire quelque chose un peu. Ah, un petit raid. Approche de plusieurs directions, ils attaquent immédiatement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai. Oh, rien de bien méchant. Sauf que. Il faudrait que je refasse mes zones de piège. Ça, je m'en fous. Il faudrait que je termine mes zones de piège. Donc du coup, bah, Ardarine, tu vas... tac. En faisant... Non, increase. Ouais. Print hose, ouais. Ouais, on va faire plus simple. Hein. Tu vas faire tac, puis tac, puis tac. Et tac. Et puis, tiens, Onyx, c'est... Qu'est-ce que tu nous fais, Onyx? Attends, on est à de Boulimie. C'est nul. Papillote, t'as pas d'arme. C'est une mauvaise idée. Va récupérer une arme de corps à corps, si je me trompe pas. J'ai pas grand-chose. Couteau métal ou Iqua. Qu'est-ce qui vaut le mieux? En termes de DPS, l'Iqua est un peu meilleur. C'est ça, un papillote, t'es au cac, ouais. Et ben, va te prendre un quoi, tac, équipe. Mangalore, une carline de survie, ce sera mieux. Hop. Tac, Célestine, carabine, Smoy, couteau. Louis, au pistolet mitrailleur, carabine, carabine, pistolet automatique, lance, mitrailleuse, fusil et fusil. Bon, ça commence à être pas mal. Mais on va quand même se mettre en mode défense. Parce que bon, les vilains attaquent tout de suite. Donc, Ardarine, t'es en train de construire. J'ai qui d'autre qui fait la construction rapidement? J'arrive jamais à m'en souvenir, c'est un peu chouette. J'ai Toshiro. Toshiro. Non, tu vas pas faire de la recherche. Va, hop. Non, tu vas faire ça. Hop. Ok. Donc ça, ce sera bon. Ensuite, Zikino. Tu
tu sers pas grand chose, mais tu vas quand même venir. Tac. Adarine, c'est fait. Papillote, c'est fait. Mangador, c'est fait. Célestine, hop. Avec ta carabine, Zmoy. Tu bois une bière, et ben tu vas arrêter de picoler. Tac. Louis. Avec ta mitrailleuse, tu vas venir là. Voilà. Zikino, t'es en train de venir. Toshiro, t'es occupé, pousse le bête. Tac. Allez. Phoenix, en train de bouffer, c'est pas top, mais on va faire avec. Non, Mangazor, maintenant tu viens là. Et Toshiro, du coup tu fais quoi? Ah oui, tu construis. Erdarine, au taf. Venez. Hop. Toshiro, reste par là. Tac. Voilà, ça c'est fait. Tac, tac, voilà. Alors, deux que je peux récupérer. Oh putain, encore des mangeurs sanglants. Lui, il a rien de bien méchant. Traverné, cannibale, ouh. Aimable, c'est pas mal. Et qui fait pas de médecine, mais il a des bonnes stats. Donc on va essayer de le garder, lui. Et lui, névrosé, traînard, mise en ouais, ça c'est pas terrible. C'est un coup à faire des bagarres en permanence. Les stats sont sympas, mais je pense que je vais m'en débarrasser. Bien. Hop, hop. Je peux toujours pas faire de récupération d'organes. C'est rase. Pratique. Qu'est-ce qui va aller papillote? Qu'est-ce que tu nous fais? Papillote bien par là. Pas forcément besoin de tout ça, mais c'est pas grave. Mes médecins, c'est Ardarine. Ardarine, tu vas venir là. Hop. Le tir à sauver elle en ce moment. Ce qu'on va faire, c'est que Papillote, tu vas aller capturer Aigle. Et puis, qu'est-ce qui sert pas à grand-chose? C'est Zikino qui a des stats pourri. Tu vas quand même le capturer. Et on va voir ce qu'on en fera ensuite. Ah. Allez, on va chercher. Attendre que les suivants arrivent. Ah! Ah si si. J'avais peur, je me suis dit. Bim. 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 Allez, fuis, pauvre fou. Hop, problème réglé. Je vais voir si j'arrive à le choper. Si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. Ok. Bon. Allez. On disbande. On va transporter tout le monde. Tac. Pas d'autres capturés, c'est pas bien grave. Et toi, t'es bleeding out. Eh ben formidable. Allez, il va nous sauver ça, secourir. Non, je t'ai dit secourir. Tu ne peux pas, aucune couche pour animaux n'est accessible. Eh ben, ça s'arrange assez facilement, ça. Allez, coucou, je panier. Secourir. Eh ben, tant pis. Hop. C'est pas mal grave. On fera ça. De toute façon, je ne m'en sers pas beaucoup de ça. Allez, on peut reprendre des activités normales. De construction. Hop, soit une aigle. Ah bah oui.
Maladie grave. Oui, c'est sûr. C'est qui mon deuxième médecin? C'est Broudaf. Allez, va soigner Orange. Soigner Orange. Et donc, prisonniers, on va d'abord les convertir avant d'en faire quoi que ce soit. Diable d'eau, parfait. Alors, ça c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? De meilleures armes. Fusil à pompe automatique, ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment efficace. Mini-tourelle, c'est aussi toujours bien. Allez. Maintenant qu'on a de quoi se défendre, enfin bon, quand j'aurai du tissu. J'en suis où? Oui, j'ai toujours rien comme tissu, c'est la misère. Alors par contre, je vais me mettre à fabriquer du diable d'eau. Est-ce que j'aurais pas une... Parce que ça, c'est hyper long à produire. Peut-être bien à la place de mon... Parce que ça, franchement, c'est quand même pas dramatique. Là, je vais faire du diable d'eau. À la place du smoke leaf. C'est très long à pousser. De même à la place du... Je vais agrandir mes zones histoire que ce soit un peu plus propre. Ma porte est ici. Allez, on va faire du diable d'eau ici. On va se dire que pour la gestion de la bouffe, ça sera suffisant. Paf. Et là, à la limite, je vais agrandir ma zone. Pour faire un peu plus de maïs et diminuer cette zone-là. Oui, il faudrait que je m'occupe de tous mes trucs de métal là. Faire un peu plus de maïs. Tac. Agrandir du coup. Voilà. Alors, les trucs de métal, il faut pour s'en occuper. Aller dans la production et faire une fonderie électrique. Je vais la faire ici. Hop. Très bien. Voilà, donc là, ce sera mon église. Onyx, arrête de bouffer, c'est très bien. Pour l'instant, tu ne fais pas le carrelage. Et ok, donc là, ce sera pour le diable d'eau. De toute façon, oui, je vois pas bien ce que tu aurais bouffé, sachant qu'il n'y a plus rien. Infection pour aigle. Brouillaf. Voilà. Soigner aigle. Ok, du coup là c'est toujours pas terminé, ça me saoule. Ils font des câlins. Lui, il fait des pétards. Tout va bien. Et une autre infection pour Aigle. Et bah, décidément. Broudaf, t'es encore debout, ça tombe bien. Hop.
Pourquoi il y a autant de deux infections, la vache? C'est rare. Ça sert à quoi qu'il nettoie là? Ardarine, mais non, putain! Les mangazors, tu fais quoi? Tu nettoies les mains, super. Tu vas enlever ça aussi, tant que tu y es. Comme ça, j'aurai tout récupéré. Ok, Damnanite construit aussi, c'est cool. Mangazor transperme des bières. Alors, bien, ça c'est un lit qui est fait. Alors, qu'est-ce qui est Pajoas Célestine, mais elle a déjà son, elle a déjà une vraie chambre. Damnanite, allez. Pourquoi t'es Pajoas Damnanite? Pas de conquête récente, c'est toujours autant pourri. Il faut vraiment que je change cette idéologie. Chamchoul. Allez, voilà, Damnanite, t'auras une belle chambre. Ce sera déjà ça de prix. Tiens, donc tant que t'es là. Va me construire ça, histoire qu'il n'y ait pas de trou dans les défenses. Voilà. Il en met du temps à construire. Va manger, toi. Non, il bagasse. C'est pas possible. Termine cette chambre. C'est long à travailler le calcaire, la vache. Par contre, là. Voilà. Une chambre opérationnelle. Voilà. Et tu continues celle-ci. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ah. Ouais, j'étais un peu short en métal. Spécialement et que tu me fasses ça tout de suite, mais c'est pas grave. Ah, tu me fais un pupitre. Le calcaire, c'est le drame. À force d'en utiliser à fond. Pourquoi t'es pas joueuse? Ouais, t'es toujours pas joueuse, toi. Peux rien. Hop. Je me retrouve avec encore. Fusil, parterre, grossiste. Très bien. Ah tiens, j'ai construit. Oui, balise commerciale, j'ai construit. Nickel. Donc ça va me permettre de faire du commerce avec des vaisseaux de passage. Papillote, quand tu seras réveillé. T'iras commercer avec ce grossiste. Quand il a arrêté de bouger. Hop, commercer. Alors, ça c'est fait. Je vais lui mettre comme tasse d'extraire de l'acier en boucle. Alors, qu'est-ce que tu m'échangerais, toi? De la bouffe, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 1500. Je vais avoir besoin de tissu. Pas mal en fait, parce que je vais peut-être bien. Par contre, je vais pouvoir leur vendre toutes mes merdes. Mes pétards, mes binouzes, ouais, on va faire des sous. Le bois, wow, c'est le drame, le drame, le bois. Allez, tous mes vêtements tout pourris là. Hop. Ce qui est horrible, c'est fait. Il veut pas de mon revolver, par contre. Tout ce qui est médiocre. Hop.
Qu'est-ce qu'en métal? Masque en métal. Tac, tout ce qui est normal. Hop, on s'en débarrasse. Et tout ce qui est en tissu. Bonnet en tissu. Bon, je m'en fous. Alors, maintenant, qu'est-ce que je lui achète? Donc, je vais acheter de la laine. Je vais acheter de la fourrure bleue. Je vais acheter du tissu. Tout ça, c'est des trucs que j'ai pas trop en fait. Comme je chasse assez peu finalement. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Est-ce que je prends de la viande? Bof. Herbe médicinale, j'en ai 103. C'est peut-être pas la peine que j'en achète plus. Et des vêtements, il a rien de bien intéressant. Voile de visage en santé éventuellement. Ça, je m'en fiche. Il me donnerait 774, ben c'est parfait. On était fait pour s'entendre. Oh, j'ai plus de composants. C'est bon à savoir ça. Je pourrais lui donner du maïs. Mais non, parce qu'on a vu quand même, j'ai pas mal de monde et ça peut disparaître. Bah, ce que je vais faire, c'est que je lui revends du maïs jusqu'à sa limite d'achat, c'est-à-dire maintenant. Et c'est parti. Donc, je rachète du tissu. Ouais. Je revends toutes mes. Qu'est-ce qu'il me reste? Pantalon en patch qui est bon, ouais. Manteau en cuir, bon. Chapeau de cow-boy, j'en ai trois, ok, c'est chouette. Allez, vendu. Je garde mon or. Allez, ça c'est parti. Là, je vais récupérer des métals. Alors, il me faut des composants en vitesse. Est-ce que c'est le drame? On va déjà miner ce qui est accessible. Hop. Ce qui est facilement accessible. Déjà, ça m'en fera quelques-uns en plus. Alors, maintenant que j'ai un peu de tissu, je vais pouvoir me fabriquer ce genre de choses-là. Qu'est-ce que j'ai aussi des tissus que je vais pouvoir faire. Non, je vais d'abord privatiser ces choses-là. Je pourrais faire des casques avancés maintenant, j'avais pas fait gaffe. Je vais répéter jusqu'à en avoir un en boucle, comme ça au fur et à mesure ils s'équiperont. Même chose pour les gilets pare-balles. Les pantalons renforcés. Hop. Voilà. Le casque avancé, je le fais en dernier. Ok. Bon, c'est très bien tout ça. Métal, c'est bon, je suis revenu un peu dans la course. Allez, c'est reparti. Maladie grave, aigle, mais normalement. 83 pour 67, il n'y a pas de souci. Et 83 pour 79, c'est un peu plus juste, mais ça devrait le faire. Conversion, c'est pas encore prêt. Capsule de sauvetage. Oh, qui est juste chez moi. Brady, qu'est-ce que tu veux, Brady? Cogneur agile, c'est pas mal ça. C'est une bonne combinaison pour un mec au corps à corps. Agile qui augmente les probabilités d'esquiver. Par contre, waouh! Aucun travaux ménestrel, de travaux manuels parce qu'il est ménestrel médiéval. Et pas de transport. Uf. Alors bon, pour le reste, c'est pas trop mal. Bah, je vais quand même le prendre parce que ça fait un bon. Ouais, ça fait... il est pas mal. Allez, capturez-moi ça. Onyx. Tu te relaxes. Bah, c'est pas le moment de se relaxer. C'est le moment de capturer Brady. Et de le soigner ensuite. Et de le convertir. Un
peu de juste en énergie. Il va peut-être quand même falloir que je me rajoute. Allez, j'ai pas assez de composants, ça ne m'étonne pas. Je vais peut-être quand même bien me rajouter un. Une éolienne. Ah tiens, là j'ai d'autres composants, j'avais pas vu. Oh là là, ça va à vitesse grand V. Allez, ça construit. Est-ce qu'il me faut des blocs de chaman? Oh. Encore un commerçant. Oslovette. Bah oui, il va manger, tu verras, ça ira mieux. Alors, il est où le chaman? Pas encore là. Ah, alors, ici, ils ont fini. Tac, tac, tac. Sauf que j'ai quasiment plus de calcaire. Il faudra vraiment quelqu'un qui s'y mette. Hein. Qu'est-ce qui est bon en... L'artisanat déjà, j'ai Célestine, qu'est-ce qu'elle me fait la Célestine? Elle est. Bah oui, elle fait. Alors, je lui demande quand même de faire. Ah non, elle est en 1 pour tous. Moi, il fait quoi? Il extrait du métal, c'est bien ce Moï, mais est-ce qu'il ne serait pas plus opportun que tu te mettes en priorité sur l'artisanat? Artisanat même. Allez, je vais nous te mettre prioritairement sur l'artisanat. À la limite, l'artisanat, j'ai pas besoin que ce soit le plus fort. Toshiro lui fait de la recherche. Louri pourrait me faire. Louri pourrait être mon artisan principal. Célestine pourrait être ma. Alors même mon couturier principal, ce sera Zmoï et ma forgeronne principale, ce sera Célestine. Qu'est-ce qui me fait Louri là? Relaxation sociale, c'est bien. Papillote, il faudrait que tu aies causé un machin. Alors, qu'est-ce que tu peux me revendre? J'ai moins de choses à revendre tout de suite. Neutro-amine, j'en ai. Du plastacier, c'est toujours bien. De l'or, c'est toujours bien. Je pourrais lui revendre un peu d'herbe médicinale, parce que j'ai pas besoin d'en avoir autant. On garde 50 pour le stock. Composants, c'est un peu la merde. Qu'est-ce que je vais échanger? Ouais, je veux pas grand-chose. Neutro-amine. Alors le truc, c'est que le jour où j'en aurai besoin, si j'en ai besoin, c'est vrai que j'en utilise jamais vraiment beaucoup. Neutro-amine, c'est utile pour faire des médicaments, mais c'est vrai qu'en général, les médicaments, je les achète. C'est vrai qu'un médicament ça coûte 12, la neutroamine ça coûte 4. Mais c'est vrai que je développe assez peu cette branche. Pour l'instant, de quoi ai-je le plus besoin? Bon, bah, juste faire ça, on va prendre quelques herbes et ça nous fera un peu plus de sous.
Bon, il termine ça. Très bien. Donc j'aimerais bien me faire des changements en plus, mais pour ça il me faut davantage de calcaire. Là j'aurais besoin de lumière. Hop, pour ça j'ai besoin de courant. Vague de froid contre rémunération. Bon, moi je crois que c'est pas très grave. Ah, ouf. Alors il fait déjà froid, puisqu'on est en décembrier. Qu'est-ce que ça me donnerait? Médicaments. Hop. Une vague de froid pendant 4,1 jours. Ça foutrait un peu en l'air toutes mes. Mes plants de riz, par exemple, à mon avis, ils n'aimeraient pas trop, ni mes plants de patates, ni mes plants de coton. Ouais, finalement, elle n'est pas morte, pour dire que. Je vais réinstaller ça là. Lui, il sert plus à grand chose. Où est-ce que je pourrais mettre un... Je pourrais peut-être mettre deux radiateurs parce qu'il fait quand même pas chaud chaud. Hop. Et toi, je pourrais te réinstaller là. Buffalo enragé. Ah. Elle attaquera vu n'importe qui. Bon, normalement, j'ai pas trop d'occasion de sortir, donc c'est pas trop trop grave. De toute façon, il va se prendre dans les. Hop. Voilà. Problème réglé. Ça me prend un peu de bidoche. On a vu que c'était le drame en bois. Si c'est le drame en bois, Toshiro va essayer de convertir. Tiens, en parlant de conversion. Quand c'est le drame en bois, il faudrait couper du bois, les gens. En vitesse. En parlant de conversion, ne serait-il pas temps que Papillotes nous rejoigne. Il pèse à combien? 35, oui, ça n'a pas beaucoup évolué. Brood a fait topieux et Papillote est ici. Il se repose. Eh bien, comme tu es déjà full, hop, tu vas arrêter de te reposer. Tu vas convertir. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul à che. Il faut que j'installe de la lumière. Alors, c'est spécialement traité pour produire la lumière sur une grande surface. Ah, on a utilisé ça. On produira de la chaleur. Ça peut être classe pour une. Grand bras zéro. Dans ma... Hop, entre les croyants. Ah bah si, d'accord, la dryade, elle a fini par mourir. Je sais pas pourquoi certains sont en vert clair et d'autres sont en orange. Si jamais vous avez la réponse, je veux bien que vous me disiez. Allez, il va me faire des fusils d'assaut. Parce que c'est quand même bien les fusils d'assaut. Aussi. Là, il faudrait que je me fasse. Ouais, de toute façon, j'ai déjà plus trop. Si je peux faire des fourrures bleues. On va me faire. Ça avance toujours pas. Pourquoi est-ce que ça avance pas l'artisanat? M'agace. Je pourrais faire maintenant du coup des fusils à pompe en rafale. Wow, ça coûte 5 composants. Vu que je suis un peu dans le mal, ça va continuer à me mettre dans le mal. Je vais en faire quand même de temps en temps. Ah, pareil, un bout.
qu'est-ce qu'avancer, ils n'en veulent pas là? Ah non, ils ont des. Oh bah si, mes soldats là, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas de castel avancé? Ah bah si, d'accord, l'arbre a. Il a disparu. Bon bah écoute, tu sais quoi? De toute façon, je suis un technologiste, hein, je suis pas un naturiste. Utilisons ce que l'on peut utiliser pour faire plus de coton. Tac. Smoit est notre artisan principal. Ah. Et tu fais. Ah, mais oui, d'accord, c'est sûr que si j'ai pas restreint. Ah. Il pas restreint la zone, ce qui est un peu con. On va se restreindre à 50 quand même, hein. Histoire que tu n'ailles pas chercher à l'autre bout de la map. C'est bien de faire du métal, mais. Mais ça fait pas tout. Alors, oui, là, je dis que je pourrais me faire un fauteuil. En fourrure bleue, c'est presque un peu dommage de le faire en fourrure, mais moi j'attends d'avoir du tissu. Parka, bonnet. Zone découverte. Excès d'alcool pour post-levette. Poivrotte. Zone découverte, ouais, pas grand-chose. De machinerie contactée à proximité, je prends. Bon, bah, ça fait un petit épisode, pas grand chose dedans, mais rien de ouf, hein, comme on dit, mais on avance. Gentiment mais sûrement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là. Tac. Là, je peux pas installer de lumière de ce côté-là, puisque c'est pas encore. Il faut attendre que ce soit aplani. Donc post-levette. J'ai besoin de faire des conversions. Voilà, résistance 22, vantée 1,6. Oh. Lui, ce sera plus simple. Résistance 13, vantée 0,9. Lui, ce sera faisable. Bon, allez, je vais arrêter cet épisode-là. Et puis, tiens, ce que je vais faire, c'est qu'au prochain épisode, je vais quand même aller me démerder pour virer ce brouillard permanent, parce que c'est un peu pénible. J'espère que l'épisode vous aura plu quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.